Salut tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Amnesia, A Machine for Pigs. J'espère que vous allez bien les amis, mon cœur est bien accroché aujourd'hui pour ce nouvel épisode car quelque chose me dit qu'on va encore en prendre plein la figure. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me prévenir que ce qui allait suivre allait être assez gore ou en tout cas assez flippant. Donc ça confirme la tendance que je pensais qui est que bah, effectivement on a franchi un nouveau cap finalement et que maintenant le jeu jusqu'à la fin va vraiment être assez violent. Je voudrais revenir juste si vous me le permettez sur la petite introduction que j'avais faite lors du dernier épisode. Certains l'ont pas bien compris, certains ont dit non mais attends ça faisait pas peur etc. Ce qu'il faut comprendre c'est que peut-être que ça ne vous a pas fait flipper etc. mais ce n'était pas finalement dans la scène en elle-même que c'était flippant, c'était plus dans l'interprétation qu'il fallait en faire, tous les messages qui parlaient d'enfants, etc. Tout ça, c'était pas quelque chose de très joli quand même, hein. Donc j'ai préféré quand même faire ce message de prévention. Certains m'en ont remercié, donc écoutez, peut-être que certains ont trouvé ça exagéré, mais si dans le lot j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne qui aurait pu être choquée par ces scènes, eh ben je considère ce message comme utile. Donc voilà, faut penser aussi un petit peu aux autres et pas qu'à vous, même si je sais que ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est vrai que des fois vous avez tendance, je dirais, à oublier que vous êtes plusieurs à regarder, parce qu'effectivement c'est pas parce que vous avez pas peur que quelqu'un d'autre à votre place va peut-être pas flipper. Donc bref, on est sorti du sol, je sais pas où on est. On dirait qu'on est revenu dans des rues un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. On est revenu un petit peu dans des rues. Ok, il y en a trois. D'accord. Ouais, ça rigole plus. Donc, petit rappel de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Petit rappel de l'histoire. Mendus s'est aperçu que le saboteur, le gars au téléphone, et lui n'étaient qu'une seule et même personne. C'est lui qui a créé toutes ces horreurs et ça va être maintenant à lui de les détruire. Oh là, mais j'aime pas du tout le bruit d'ambiance là, mais. On est ressorti, hein. Ouh là là, ça ne me dit absolument rien qui vaille là. Il y a une porte là, on va vite faire les voir. Elle est fermée évidemment. Ça veut dire que les monstres sont en liberté dans la rue maintenant ? Regardez le cochon sur le toit. Oh mon dieu. C'est l'apocalypse. Alors, attention au cochon sur le toit. Oh là là, c'est le gros bordel là. J'ai peur de croiser un cochon en n'importe quel coin de rue. Mendus, I know you are out here. I know this city. I am this city. No, this is not what I meant. This is not what I meant at all. Il se parle à lui-même, il devient complètement malade. Oh là 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 là, avec la musique. C'est vraiment pas rassurant. Qu'est-ce qu'il y a au sommet? Il y a une note. Ok, il y a une note. On va se poser un petit peu, voir un petit peu ce que ça nous dit. Les pauvres ne manquent à personne. Occupez-vous des orphelins et le monde vous remerciera. Faites disparaître la prostituée et le gentilhomme vous applaudira. Éliminez le mendiant et la dame n'aura plus peur. Je les déteste, je les déteste, je les déteste plus que quiconque. Ce privilège, cette prétention, ces soi-disant chefs, ces piliers de la société, ces riches et ces excentriques, ils cachent leur crasse à l'intérieur mais n'en sont pas moins sales. J'ai des solutions les concernant mais nous les nourrirons et nous les nourrirons d'eux-mêmes. C'est dégueulasse. Pas de pig. Juste là, on est en train de s'éloigner. Il y avait un autre chemin, il me semble. Est-ce que je peux revenir maintenant ou c'est trop tard? On va essayer de revenir.
Il est où ce bruit? Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Ah, mais là, c'est l'apocalypse la plus totale. Hein. Non, donc effectivement, il n'y avait rien ici. Je pense pas qu'on ait raté quelque chose. On va continuer. Mon Dieu, comme ça bouge dans tous les sens, c'est... Ah, ça devient bien prenant, là. Alors, c'était ici, la suite. Hein. Je pense pas qu'ils peuvent réellement me sauter dessus, là. Là, il m'indique plus la direction. Berner Street. Mon Dieu, mais c'est le diable, cet endroit. Ce type, c'est le diable. On se casse de là. On a eu une note. Oh mon Dieu, j'ai eu peur quand la porte s'est ouverte avec l'autre. Londres brûle. Dieu, pardonnez-moi pour ce que j'ai déclenché. Je sens l'odeur de la ville qui brûle. Je vois le cendre voler au vent. J'entends les grondements de créatures malades alors qu'elles déferlent sur la ville et entraînent ses habitants dans les profondeurs pour les massacrer. Je comprends désormais ce qu'était l'autre ingrédient du composé X et je comprends également ceci. Je suis responsable maintenant. Je dois trouver un moyen de rejoindre le cœur de la machine afin de terminer ce que j'ai commencé. Il faut qu'on trouve la machine Four Pig. Hein. Il faut qu'on l'arrête. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Là, ça devient effectivement bien flippant. Il se passe quoi, là? On se calme doucement. Viens ici, plutôt. Oh là 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 là. Une note. Debout, je regarde mon reflet dans le miroir, pénis à la main, et mon reflet me sourit, la bouche pleine de gaz moutarde. Pauvre imbécile, ricane-t-il, es-tu vraiment si différent? Penses-tu réellement que tes vils agissements sont meilleurs que d'autres? Tu n'es qu'un faible, un homme de ton époque semblable à tous les autres, c'est l'Empire, imbécile, c'est l'idiotie meurtrière, le résultat naturel de ce darwinisme social. Si tu es mauvais, alors ce monde est mauvais. Tu laisses le sang couler dans la rue plutôt que de le cacher dans l'asile des pauvres. Tu empoignes la lame et tu le manipules toi-même. Tu ne payes personne pour qu'il le fasse à ta place, si tu es mauvais, ton mal n'en reste pas moins honnête. Ce qui fait de toi un surhomme. Puis je me suis lavé les mains et je suis allé me coucher. Ça devient une secte leur truc, c'est dégueulasse. Fermé. Y'a pas de porte qui s'ouvre avec un pic derrière là. On a un petit peu changé de décor. Mais je sais pas si on pouvait pas aller. Est-ce qu'on prend le risque de retourner derrière juste pour voir si j'ai pas raté quelque chose? Est-ce qu'on le prend, ce risque, les amis? On le prend, on n'est plus à ça près. Hein. Ah. Je ne peux pas. Donc j'espère qu'il n'y avait rien à gauche et que c'était bouché, parce que là, évidemment, je ne peux pas. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Par contre, juste ici, à quoi? Ah, bah c'est le même chemin. Bon. Bah on va voir ce qu'il y a derrière. Je sens que ça va se casser la gueule, ça. Non. Pas de monstre en bas. Bonjour. On ressort de l'autre côté. Ah, on est vraiment dans les rues de Londres, là. Allez, ferme-la, toi. C'est bon. Il entend des voix dans sa tête. Hein. C'est... Henbury Street, non les gars. Ah mon Dieu, avec les bruits qu'on entend, les gens se faire tuer, c'est vraiment gore là. Effectivement, on m'avait prévenu que ce serait... Mais voyez, bizarrement, je trouve ça plus gore que ce qu'on a vu la dernière fois, effectivement. Mais à la fois moins malsain, disons. C'est parce qu'on voit pas vraiment ce qui se passe là. Le coup avec les enfants, c'était un petit peu sale quand même. Il y en a en haut, il y en a... Oh mon Dieu.
Je la sens mal cette ruelle. Mais il y a un pig en haut là, non? Non, je sais pas. Il y en a un autre là. Oh, merde, 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 cours, 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 cours. Cours vite. Je peux pas faire plus rapide. Faut que j'aille où là? Tout droit, tout droit, tout droit. Va tout droit, va tout droit. Mon Dieu. Ah, ils sont morts tes enfants mon gars, arrête d'y penser. Il a dit un truc intéressant quand même, il a dit ce monde est une machine for pig. Il n'y aurait pas de réelle machine. Il y a forcément quelque chose qui a permis de créer ça. Alors on est encore face à un nouveau problème. Hein. Non, non, là il y a vraiment une machine et il va falloir qu'on la retrouve. Après c'était une métaphore. Rue et ruelle. Ces fléaux pullulent, ces créatures qui errent dans les rues viennent toutes des salles des machines. Voilà, lorsque j'ai réapparu, j'ai compté 3 de ces ignobles ascenseurs pneumatiques, ce qui laisse à penser que les machines, que la machine trame tout cela depuis longtemps, s'introduisant subrepticement sur les routes des environs. Si mes relevés sont exacts, au-delà de cette ruelle, je devrais me trouver au-dessus des salles d'allumage et moyennant un pneumatique. Je devrais pouvoir rejoindre le cœur de la machine. On s'approche petit à petit de la fin, là, quand même. Quelqu'un m'a dit qu'on était dans le dernier quart du jeu. Dans les commentaires. Je pense qu'effectivement, oui, si on veut résumer ça comme ça, oui, on est dans le dernier quart du jeu, je pense. Là, on est sur la fin. À mon avis, il reste pas énormément d'épisodes. Ah, il faut encore la boîte magique. À mon avis, je dirais qu'il reste 2 ou 3 épisodes grand max. Ce qui nous aura quand même fait un bon petit let's play. Hein. Y'a rien ici. Bon allez, on avance, on va voir. On est revenu au début là, non? Ça y ressemble beaucoup. Là, il va y avoir un ascenseur. Voilà, un pneumatique comme il dit. Bon bah c'est parti. Changement de zone, j'imagine. On redescend, il est sérieux. Ah, j'ai pas bien activé. Il est sérieux, on redescend. Bon bah écoutez, on va voir un petit peu ce qui se cache en bas. Hein. C'était bien prenant là, pour le coup, c'était vraiment bien prenant. Exploitation du monde, une veine manquante, voilà ce que je vois. Il nous faut les trouver, ces anciens écrits gravés sur des tiges de métal qui brillent dans la pénombre du crépuscule de la brunante. C'est vrai que j'avais jamais vu, mais regardez le dessin. On voit des cochons arriver, ils leur font quelque chose, puis ils repartent. C'est curieux ça aussi. Bon, je m'attends au pire là. On descend au cœur de la machine. Enfin, pas tout de suite, mais on va descendre. Certains m'avaient dit au début du jeu, de toute façon, que si j'avais peur là, à la fin, j'allais faire une crise cardiaque parce que le jeu était vraiment horrible sur la fin. Au final, vous voyez, je trouve que ça va mieux. J'ai plus la peur des débuts parce que maintenant, je sais contre quoi on lutte. Donc ça va, maintenant, c'est plus du bon stress. C'est une approche différente. Contre-attaque. Me revoilà, un ange de la vengeance et un saboteur une fois de plus. Je trouverai un moyen d'arrêter ce massacre. La machine a défailli au point de faire sauter ses verrous et ses portes secrètes. Quel choc cela a dû être de poignarder ses yeux, d'enfoncer des fils de fer brûlant dans ses oreilles, de marteler ses dents et d'introduire du verre dans tous ses orifices. Elle va suffoquer et alors je me faufilerai dans sa gorge et lui poignarderai le cœur de l'intérieur. C'est bien mon gars. Même si c'est un peu gore, mais c'est bien. Tu vas te venger. Dans quoi ce... Wow. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le maître de fer. Qu'est-ce que c'est que cette grosse machine encore? Qu'est-ce que c'est que cette machine? Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Hein? Attendez, j'ai pas... C'est des corps humains? Ah, ils ont été... Mais peut-être qu'ils transforment ces corps en cochons après.
Ah, c'est dégueu. C'est dégueulasse, on se casse de là. J'imagine qu'elle s'ouvre pas cette porte, ce serait trop simple. Si. Alors, il y a quoi là-bas? Merci, mais moi je veux voir là-bas, je suis curieux comme type. Elle s'ouvre, elle? Non, ok, très bien. Bon, on va voir là-bas du coup. C'est vraiment dégueulasse. Et depuis quelques épisodes, on progresse un peu plus vite, j'ai l'impression aussi. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah, échelle ou porte? Bon, allez, porte d'abord, on va voir. Elle est plus près que l'échelle, donc j'en déduis qu'il faut d'abord aller là. Je recule au cas où il y a un screamer. Non. Oh non, mais la dernière fois que j'ai pris ce genre de porte, après il y a eu une porte. Il y a eu des pics qui ont surgi. Will they be free? Yes, my friend. Drained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend a smoke to the stars. And the good. The worthy. How will we save them? Show me these worthy, Mandus. Show me these good. I do not see them. La triperie. Ah, mais il est dégueulasse. Hein. Et la dernière fois que je suis venu dans ce genre de couloir, c'était il y a un petit moment déjà, rappelez-vous, et c'était au niveau de la centrifugeuse, et il y avait eu les trucs... Il y avait eu les portes hallucinatoires. Opération centrale de la chaîne porcine. Chaîne porcine. Opération centrale de la chaîne porcine. C'est peut-être là qu'il faut que j'aille, non? Où est-ce qu'on va, là? Mais j'ai plus ma lumière là en fait. Ça fait combien de temps que j'ai plus ma lumière? J'avais même pas capté. Excusez-moi, ça se trouve vous y voyez pas super bien. Merde. J'espère que vous y verrez. Je viens de capter. Composé X, pas de flamme directe, pas de système électrique non isolé. Composé X et cuve de refroidissement. Cette ville préparation, ce composé X est le sang artériel de cette abomination. Porté à ébullition, il s'en dégage de la vapeur qui entraîne les pistons, mais ici elle gèle et coule sur les composants pour les refroidir. Pourquoi plus je m'en fous? Fonce, plus elle se refroidit. Quel est cet impressionnant processus capable de générer une telle chaleur que la machine doit étancher d'un cocktail de sang et d'influents? Et d'effluents. Qu'est-ce qui se cache ici? Oula. Il y a beaucoup de notes, hein. Pompe de refroidissement, j'entrevois une possibilité, ma première frappe. Perturber ces rouages à l'aide d'un gros objet devrait permettre de bloquer la circulation du liquide de refroidissement et d'augmenter la pression afin de fissurer les canalisations et de rompre les cuves. Parfait, faut que je trouve un truc à balancer là-dedans. Bah ça, non? Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Proposer X, pas de flamme directe. Je vais avoir. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez, Mendus. C'est plus lourd que prévu. Allez, vas-y. Ouh là là, comment je le fais tomber? C'est pas évident. Allez, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y, tu vas y aller. C'est pas évident à faire tomber. Vas-y, tombe. Parfait, voilà, déjà on a bousillé une partie de la machine. Y'a rien d'autre à faire ici? Je pense pas, je pense. Y'a une note quand même. Allez, au lit, au lit! Pour vous tourner et vous retourner sur vos ventres rebondis, pour copuler et pour vomir sur une chaise longue, dans un lit à baldaquin ou sur une table de toilette, effondrez-vous enfin sur un matelas engloutissant, ivre, drogué, gros, stupide et inanimé, et place au piège. Moyennant un simple levier, plusieurs pistons et engrenages hydrauliques sont actionnés et font apparaître trois grilles en fer tombé du plafond pour piéger les sujets et les empêcher de s'échapper. Puis le lit est rabattu contre le mur à l'aide d'un puissant mécanisme à ressort, lui aussi hydraulique. La pression d'un tel système est générée par un effet secondaire du système d'éviscération utilisé ailleurs sur la chaîne porcine. Nous avons ainsi créé notre propre révolution, car le mouvement des masses est un facteur causal de l'extermination des riches. Mmh. Bon, on va continuer encore un tout petit peu ensemble, les amis. Ça fait déjà 20 minutes, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là, donc on va continuer encore ensemble, encore 5 minutes. Donc maintenant, il faut monter là. Vas-y. Grimpe. Donc ça, c'est du composé X, hein, encore.
Composé X. Il se passe quoi si je fais ça? On va le faire exploser là. Wow. C'était quoi ce bruit? C'est bon là, on a réussi? Arrête pour voir. Je sais pas ce qu'on a fait. Mais on a fait un truc visiblement. Je peux descendre là. Merde, y a un pig. Merde. Mais il est mort. Est-ce qu'on l'aurait pas tué? Oui, regardez, il était dans du composé X. Ça veut dire qu'on a électrifié l'eau, on l'a tué. J'espère bien qu'on l'a tué. On saute, c'est parti. T'es mort, hein? Ouais, t'es mort. Mon chat. Est-ce que je peux aller là-dedans, moi? Hop là, on va éviter de passer là-dedans. Ah, ouais, on t'a électrocuté, mon gars. Alors, ici. Pompe de refroidissement. La bougie. Oh là là, c'est quoi cette énigme? Oh là 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 là. Oh mon dieu. La triperie. Il y a trop de trucs à faire là. Alors déjà. Je crois qu'on est en train de tout défoncer. On va tout actionner. Allez, c'est parfait. Voilà. Ok, on a défoncé un des trucs. C'est parfait, maintenant ça. On est en train de défoncer toute leur machine. C'est parfait, allez, on continue. Le saboteur, c'est nous maintenant le saboteur. Et c'est nous qui sabotons tout, c'est parti, on continue. Wow. On a ouvert. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. On s'est fait électrocuter. Mon œuvre magistrale est sur le point de commencer. Quelque chose me dit que ce qu'il y aura de l'autre côté de ce couloir s'avérera très intéressant. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. Numéro 13. J'espère qu'il vous aura plu. Pas mal d'action. Moi j'ai bien aimé, franchement. Ça contraste un petit peu avec l'épisode précédent où c'était plus malsain que vraiment horreur et gore. Là j'ai bien aimé, franchement. On aura bien avancé une fois de plus. On commence à lui détruire ses machines. Ça commence à devenir intéressant. À mon avis, le prochain épisode ne sera pas l'épisode final. Je ne pense pas, franchement. Mais peut-être que celui d'après, enfin voilà, à mon avis, dans les 2-3 vidéos qui arrivent, là, le let's play va s'arrêter, ce qui nous fera un let's play de 15-16 vidéos à peu près. Écoutez, pour un jeu d'horreur, ça me semble plutôt pas mal quand même. C'était un petit let's play d'appoint en attendant le prochain gros jeu qui, vous le savez, viendra après, ce sera Assassin's Creed 4. J'en reparlerai d'ici là, on a le temps, hein, mais. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et puis, bah écoutez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu vraiment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à me faire part de vos conseils. À chaque fois, mine de rien, j'ai des bons conseils grâce à vous, donc continuez comme ça jusqu'à la fin. Vous êtes top, vraiment. Merci beaucoup de me suivre sur cette aventure. Et puis, on se retrouve mardi, ça va être un petit peu long, mais bon. Mardi pour l'épisode numéro 14. Et d'ici là, passez un bon week-end. Allez, ciao tout le monde.